J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, weekly vlog. Oui, on est lundi, je suis dans ma classe, hein, comme on peut constater. Et puis ben voilà, je vous accueille aujourd'hui dans ma classe pendant ces deux derniers jours pour moi et après ce sera les vacances. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Alors, toujours la même tête que ce matin. Oui, je suis toujours hyper couverte dans ma classe, ne vous inquiétez pas. De toute façon, parce que c'est la récréation, donc je vais ressortir dans 5 minutes chercher mes élèves. Aujourd'hui, je ne vous ai pas montré mon cahier journal, mais du coup, on avait prévu ce matin, donc musique, parce que tous les lundis, on fait musique. Ensuite, lecture, on a révisé des sons, parce que demain, il y a une évaluation de lecture. Ensuite, on a fait mathématiques. Ce matin, on était efficace quand même. Mathématiques, là, je vais leur faire écriture. Donc là, on est l'après-midi. Hein. On a dansé pour répéter notre spectacle de demain devant les parents. Donc on a fait notre répétition. On a fait des exercices ce matin de lecture. Là, on va faire donc écriture sur le son. La lettre B et la lettre D parce que j'ai remarqué qu'il y avait des confusions. Il y en a qui ne savent plus trop les faire en attaché. Donc on va réviser ça. On a collé les devoirs. Donc je pense que je vais faire écriture et un petit peu d'art plastique. J'ai des choses à finir en art plastique. Donc je vais faire ça. Et puis à la fin de la journée, je vais leur faire déguster en cadeau un petit Haribo parce que voilà, je l'ai reçu en partenariat. Je vous ai mis, je pense, d'ici là que vous ayez ce vlog, j'ai mis une photo sur Instagram. Et j'ai demandé en partenariat ces chocolats pour partager avec mes élèves. Je me suis dit pour cette fin entre guillemets d'année et avant les vacances, voilà, c'est toujours sympa de partager un petit peu avec eux, une petite gourmandise. Donc ma foi, voilà, bon, vous voyez pas trop bien. Ah si, j'ai reçu un petit cadeau de ma collègue du jeudi et vendredi. À chaque fois, je dis remplaçante dans mes vlogs et vous êtes nombreuses à me reprendre, j'en suis désolée. C'est vrai que je dis remplaçante, mais parce que je suis pas là, donc c'est... Pour moi, elle me remplace, que c'est ma classe, à l'avant j'étais à temps plein, etc. Mais oui, c'est ma collègue binôme, on va dire. Donc elle m'a fait un petit mot comme ça et un petit cadeau. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça m'intrigue d'ailleurs. Et moi, je vais vous faire aussi un petit cadeau. D'ailleurs, papier cadeau au top, hein. Trop mignon. Alors on va ouvrir. Ah cool. C'est un Blu-ray. C'est marrant ça. Trop mignon. Alors c'est le Blu-ray Hook. Ou la revanche du Capitaine Crochet. Trop sympa. Je connais pas du tout. Donc ça va être cool. Je pourrais le regarder avec mon mari et avec mes enfants peut-être. C'est un film avec Julia Roberts et Robin Williams. Je pense que c'est un film qui date de quelques années quand même, hein. Je sais pas de quand il est. Mais c'est plutôt sympa comme petit cadeau, c'est trop mignon. Donc ça c'est cool, et elle m'a mis un petit mot, donc je vais le lire tranquillement. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Coucou! Salut! Je vous retrouve avec ma petite Nini de la chaîne Les Folies Nini. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller découvrir son petit univers, ses petites dernières vidéos Primark. Ouais, peut-être action que... Primark. Elle se met au vlog, au weekly vlog aussi. Donc si vous voulez aller la soutenir, je vous mettrai du coup sa vidéo si tu l'as déjà mis en ligne. Bah non, parce que je la tourne. Bah oui, mais moi aussi je la tourne. On la tourne en même temps. Oui, elle est un peu blonde des fois. On la tourne en même temps. Mais si au moment où moi je mets la mienne, toi la tienne. C'est pas faux. Ça je la mettrai en ligne. J'ai remis mes neurones en place. Je pense que vous avez compris. Donc on a passé une petite soirée au Paris Nord. On a mangé japonais pour changer, hein. Envie de femme enceinte, bonjour. Oui, parce que Nini, elle est enceinte aussi. 2, 5 mois, donc 1 mois de plus. Non, 6 mois. Je rentre dans mon 7e, ouais. Ah, bah, bon, plus que moi. T'as un mois et moins... J'ai 6 mois et je rentre dans le 7e. Ouais, donc voilà. un bon mois de plus que moi. Mais du coup, elle, ça se voit énormément, elle a un gros bidon. Je voudrais voir, je sais pas si tu montres dans tes vidéos ou... Ça peut, ouais, enfin, je... Eh bah, pense-y dans ton weekly vlog de cette semaine, nous montrer ton bidon. Ok. J'y pense. Comme ça, tu nous feras un clin d'œil. Mais elle, ça se voit bien, son bidon. Moi, ça se voit pas, mais elle, ça se voit bien. Bon, voilà. En tout cas, on a passé une bonne soirée. On s'est régalé, ouais, comme d'hab. On a bien papoté. On a passé un bon moment. On se refait ça en janvier? Oui. Bon, très bien. Le rendez-vous est pris. On vous fait des bisous et nous, on va se rentrer. Oui, il est tard. Salut. Bisous. Coucou, on se retrouve mardi 18 décembre dans ma classe toujours pour mon dernier jour d'école. Je vous invite à aller voir mes derniers vlogs maîtresse, etc. Ça vous dit, je vous mettrai dans le petit i pour connaître un peu plus ma vie de maîtresse. Coucou, il est... Donc on est toujours mardi, il est 16h. Non, pas du tout. 15h, donc je suis perdue. Là, ça va être entraînement. On a fini tout ce qu'on avait à faire. On a même collé les devoirs pour la rentrée, tout ça. On a tout fait. On est au taquet. On a fait un petit goûter d'anniversaire. Regardez-moi ces cupcakes qu'on a reçus par la maman. Donc, Nesrine, si tu passes par là, je pense que les enfants ont adoré. Puisque
Ils étaient trop mignons, les cupcakes. Je vais vous montrer de plus près avec des petites décos trop shoot là de Noël. Ils ont eu tous un petit paquet de bonbons. Enfin bon, ils ont été gâtés par la maman, donc c'est top. On a fêté donc l'anniversaire de Jade. On a préparé nos costumes pour ce soir, notre danse de l'hiver. Puisqu'on danse ce soir à 17h30 devant les parents. Et là, bah, je range un petit peu ma classe, parce que comme c'est entre guillemets mon dernier jour pour moi, j'essaie de ranger un maximum de choses pour que ma collègue du jeudi-vendredi ait pas grand-chose à faire. Et puis voilà, ma femme. C'est une bonne journée, je suis trop contente. Je suis un petit cadeau avec des chocolats, parce que oui, ben, souvent, enfin, de temps en temps, on va dire, ou souvent, on a des petits chocolats pour les fêtes, donc c'est cool. Et il va falloir après, bon, je vais pas le ranger tout de suite, mais il va falloir que je range hein, lui aussi à la rentrée, que je pense à le faire à la rentrée. Donc ma foi, voilà, qu'est-ce que je voulais là? Je voulais voir, je sais plus quoi, ah si, remettre ça, ça me stresse. Comme mes affiches, mes belles, les affiches se font le mal. Je vous montre les gâteaux de plus près et nos déguisements pour ce soir. Enfin, nos déguisements, nos tenues pour ce soir. Regardez, on a fait des jolies couronnes. Puisque nous, on danse le lac des cygnes ce soir. On fait le lac des cygnes. Et du coup, on a fait des jolies couronnes. Ils sont tous, logiquement, on va tous s'habiller soit en noir, en blanc. Et nous, on leur donne les petites touches de bleu avec les jupes bleues qui sont là, qui attendent pour les filles. Et là, tout le monde a une couronne, même les garçons. Les garçons, ils n'ont pas de froufrou, là, voilà, c'est une couronne de jupe sorate. Et les filles, alors est-ce que j'ai... Ah, donc voilà, les filles ont un petit froufrou. Elles sont belles, hein, les couronnes, c'est vraiment trop, trop joli. Donc ça va être pour ce soir, 17h30, et après, on enchaîne avec notre repas de Noël, notre collègue. Ils sont trop magnifiques, non? Vous n'êtes pas d'accord? Là, vous les voyez bien. Regardez-moi ces merveilles. Il en reste 4, je partageais avec mes collègues. Tout le monde en a mangé à part un enfant qui ne voulait pas goûter. Parce que je pense qu'il ne m'aimait pas. Donc je ne l'ai pas forcé. Hein. Mais ils sont trop beaux. Bravo Nesrine parce que waouh. Coucou à tous, on est mercredi. Je suis rentrée hier soir à 23h de Paris. Je suis officiellement en vacances. Ces derniers jours ont été top avec mes élèves, ils ont vraiment été adorables. D'ailleurs, ils ont hyper bien travaillé pour ces derniers jours, c'est très étrange parfois. Et hier soir, nous avions, avec mes collègues, fêté Noël, entre guillemets, fait un petit repas ensemble et tout. Et on a eu un petit cadeau parce que oui, pendant ce petit repas, on tire au sort, 2 semaines avant à peu près, une personne de notre équipe pour lui offrir un petit cadeau. Et donc moi, c'est ma collègue Hélène qui m'a tiré au sort. Et elle m'a offert, alors c'est trop mignon, hein, je vais vous montrer... Elle m'a offert un petit guide pour Lille parce qu'elle m'a dit pour ta nouvelle vie dans le Nord, Lille week-end de Michelin. Alors forcément j'aime pas un week-end puisque j'y vis maintenant, mais pour avoir les bonnes adresses, les petits trucs à faire et tout, que je ne connais peut-être pas. Et un gros livre comme ça avec écrit une année d'activité détente avec mes enfants, vu que maintenant j'ai un troisième enfant pour elle. Elle m'a dit t'auras besoin de ça avec des activités Montessori, du yoga, enfin... Pas mal de choses, donc ça va être très 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 intéressant. Elle m'a offert aussi une bougie de chez Yves Rocher de la nouvelle gamme, je vais vous montrer après qui sont en bas. Et une crème pour les mains de la gamme Yves Rocher. Et c'est trop rigolo parce qu'elle me faisait envie quand je suis allée chez Yves Rocher. Mais j'ai craqué pour le gel douche et un autre produit, je sais plus lequel exactement. Donc c'est bien parce qu'elle a complété du coup ce que j'avais acheté. Donc trop rigolo. Elle voulait pas acheter que des produits de beauté, elle s'est dit t'en as plein, c'est pour changer. Donc c'est trop rigolo. Donc voilà, je suis ravie. Ma journée d'hier, donc comme je vous ai dit, c'était bien passé. J'ai reçu des colis, je vais vous montrer aussi juste après. Et puis je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent avec Elodie. Je fais une pause dans mon repas et dans ma petite série Riverdale. J'en ai profité pour me détacher les cheveux pour qu'ils sèchent un peu, parce que comme je les ai lavés ce matin. Je vais vous montrer mes 3 petits colis, enfin 3 moyens colis, gros colis, que j'ai reçus en partenariat avec les marques et une dégustabox, puisque j'aime bien vous montrer ma petite dégustabox dans mes wiki vlogs. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu pour la dégustabox. Premier colis, merci Andy qui m'a envoyé un colis juste trop sympa, c'est une de leurs dernières nouveautés et j'étais trop trop contente de pouvoir tester. C'est un super coffret comme ça. Et c'est une nouveauté chez eux, c'est un coffret avec des soins pour le corps, le body, le intergalactic body kit. Je vous montre de plus près comme ça. Il y a une mousse violette, donc moi j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est un gel douche si je ne me trompe pas et une crème pour le corps. Je suis trop une crème fouetté corps même ils disent. Hein. Je suis trop ravie. D'ailleurs le packaging est trop beau, une super idée cadeau. Enfin les deux choses que je vais vous présenter, ce sont des super idées cadeaux. Mmh.
Donc, le gel douche ressemble à ça. Il est trop mignon, je trouve. Voilà, tout, tout violine comme ça, avec des petites boules, comme les gels antibactériens d'ailleurs. Et l'odeur, donc, to the moon. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon. Ça me rappelle vraiment le style d'odeur qu'on retrouve chez Bath & Body Works. Vous savez, cette odeur un peu sucrée, délicate. Waouh, j'ai trop hâte d'utiliser dans ma douche. Là, je suis trop contente. Je savais de toute façon que Merci Andy allait me surprendre, entre guillemets. Mais voilà, je suis ravie. Et là, la crème fouettée corps. Hop. Faire de catastrophe. Non, la même odeur, exactement la même odeur. Et, ah ouais, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment une texture de crème fouettée. Trop bien, je suis trop contente. Merci Andy. Hein. Merci Andy. J'aime beaucoup cette marque. Vous savez d'ailleurs, pendant la soirée là où j'ai offert des cadeaux moi à une autre de mes collègues, je lui ai offert des produits Merci Andy aussi parce que j'ai été les acheter chez Sephora pour elle. Et je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est des produits que j'aime beaucoup et pour offrir c'est toujours sympa. Mais alors là, le kit il est trop bien quoi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu quelque part. Moi j'ai même pas vu chez Sephora et tout. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Deuxième petit colis comme ceci, c'est aussi une super idée cadeau. Bien sûr, je peux pas vous faire 50 000 vidéos idées cadeaux, hein, mais j'aurais pu les mettre dans une vidéo idées cadeaux parce que là, c'est vraiment... Vous savez, je vous l'avais mis d'ailleurs dans ma vidéo idées cadeaux, j'avais mis les idées crackers. Là, c'est un crackers de la marque My Jolly Candle. Regardez-moi ce packaging, il est divin. À l'intérieur, vous retrouvez, donc vraiment trop beau, vous retrouvez une boule de bain My Jolly Candle et ça va être ma première boule de bain de cette marque-là parce que je n'ai jamais testé. Je suis trop contente. Et une petite bougie, donc avec cette odeur un peu, entre guillemets, de cactus. Ils appellent ça Sweet Cactus, donc la bougie se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez un petit bijou, une petite bague d'après ce que je vois. C'est toujours un bijou de chez Swarovski. Elles sont très bonnes, très douces. Je pense que c'est pour une petite pièce vu la taille. Hein. Je ne sais pas quelle taille ça fait exactement. Mais pour la salle de bain. En fait, le truc, c'est que vous utilisez ça dans votre bain et vous mettez votre petite bougie à brûler en même temps que vous faites votre petit bain. Donc, c'est vraiment pour une petite pièce. Ça sent très doux. C'est vraiment une odeur cocooning. Un petit peu de propre. Voilà. Et en même temps, de plante. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et la boule de bain est comme ceci. Donc là, il n'y a pas de bijoux. Mais dans certains lots, vous avez des bijoux aussi dans... Vous savez, il y a des lots de 3 boules de bain. Il y a un bijou dans une des boules de bain. J'ai jamais testé ces lots-là, mais ça sera avec plaisir que je testerai. Donc, comme d'habitude, je suis ravie de la marque My Jolly Candle. Vous savez, je vous en parle très souvent. Et alors là, j'ai hâte de me faire un petit moment cocooning là pendant mes vacances de Noël. Mais alors, l'idée est magnifique. Je trouve que c'est vraiment divin, le principe. Donc, voilà, je vous mets tous les liens aussi en barre d'infos. Pour la Degusta Box, la voici. Donc je l'ai depuis samedi en fait, mais je suis partie dimanche, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir en vidéo. Et du coup je suis revenue qu'aujourd'hui. Donc on va la découvrir, c'est celle du mois de décembre, je ne sais pas du tout le thème. Mais je pense, j'allais dire que ça soit sur les fêtes de fin d'année, donc exactement, fêtes de fin d'année. Je vois qu'on a plein de petites choses je pense pour se régaler. Une petite recette de wrap derrière. Un petit mot avec écrit bonne année, plein de surprises. De la part de Degustavox, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt gentil. Oh, premièrement, on a des petits bonbons, les Skittles Chewies. Bonbons tendres non enrobés. Alors ça, je connais pas du tout, donc ça va être une petite nouveauté très sympa à découvrir. Moi j'aime bien, et il y en a 2 paquets. On va aussi dans les gourmandises, hein, pour en premier, que je les vois là, des mini Twix. Ça fait des années que j'ai pas mangé des Twix. Et c'est trop bien, je suis trop contente. On a un paquet de chips et ma foi pour une fois il va pas être trop déglingué parce qu'il avait l'air hyper bien protégé. Le Thai Sweet Chili, donc un peu goût thaï, un peu épicé je pense, de la marque Lay's. Et c'est des nouveaux packaging comme ça avec sensation. Ils sont très beaux les paquets de chips, ça fait un peu luxe. Mais écoutez, ma foi j'ai hâte de tester. Comme d'habitude je vous en parle sur Instastory et sur Snapchat, mais maintenant surtout sur Instastory. Ensuite on a des produits comme ça, des... Ça doit être des choses qu'on fait cuire au micro-ondes, assez rapide et tout, c'est plutôt cool. Ah non, faut faire bouillir dans l'eau, donc bon, pourquoi pas, c'est trop cool. C'est de la marque, c'est quoi cette marque? Certifié bio, c'est la marque quoi? Seed of Change, c'est du riz complet au quinoa et du duo de riz, quinoa et graines de lin. Donc je crois que la marque c'est ça, hein, c'est Seed of Change, une marque bio que je ne connais absolument pas. Donc ça c'est très bien, je suis ravie. J'aime beaucoup les trucs un peu comme ça, pratique, cuisine rapide, c'est toujours très bien.
Ah bah mince, ma maman est partie. Ce sera pas pour elle, mais peut-être pour un apéro avec des amis. Ça pourra leur plaire. J'offrirai ça à ma copine qui va venir et qui en mange. Les fines tranches de viande séchée, 100% jambon. Alors ça, je trouve ça trop sympa. Mais bon, moi je mange pas de porc, donc c'est pas pour moi. Mais je trouve ça sympa parce que pourquoi ça n'existe pas en version halal? C'est chiant. En version bœuf, ça serait trop bien. Mais voilà, c'est sympa pour celles qui mangent du porc. Ensuite, on a deux petits jus comme ça qui sont bien emballés. Ça a l'air des jus de la marque Pago. C'est même pas des jus, c'est des smoothies. Mangue, lait de coco et piment. Oh là là, ça m'a l'air bien bon. Mangue, lait de coco, piment. Ça m'a l'air divin ça. Good news! Je viens de voir, regardez. Il y a les petites tranches de viande séchée, mais 100% poulet. Mais c'est une super idée! Merci, Justin Brilou! Alors, moi, je ne mange pas spécialement halal, hein, mais je mange juste pas de porc. Donc, ça, je suis ravie. Trop bien. J'ai hâte de goûter et ça, je vous en reparlerai pour celles qui sont comme moi. Oh! Des macarons? Non. Ça doit être du thé saveur macaron, non? Produits de pâtisserie et confiserie. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est des macarons? Attendez. On dirait bien des macarons de la marque Duchessol. Je ne connais pas. C'est cool, des petits macarons comme ça, un petit produit de luxe. Il y a 4 macarons à l'intérieur. Waouh! Oh là là, mais c'est trop bien quoi. Bon là, pour l'instant, cette box, elle me plaît beaucoup. On a de l'açaï, les baies prodigieuses. Alors ça, c'est une baie que je ne connais pas spécialement. Mais là, c'est une version boisson, je pense. Et c'est bio, c'est certifié bio, de la marque Terrasaï. Je sais pas si vous connaissez, mais belle découverte encore une fois. Ça va être genre le produit qu'on va pouvoir boire tranquillement. Pour finir, on a deux bouteilles comme ça. Alors, je sais pas si c'est avec alcool ou pas, de la marque Gripson et St. James. Gripson Ice Tonic. Donc, recette pétillante au goût authentique de gin tonic, aux notes de baie de guinine. Je pense que... Ah si, il y a de l'alcool, il y a un tout petit peu d'alcool. Et là aussi, il y a encore un petit peu d'alcool. Donc, c'est le mojito. Donc, ça, c'est plutôt cool quand on a des invités qui boivent de l'alcool. Ça peut être sympa de leur proposer une sorte de petit cocktail. Et alors, pour les fêtes, ils ont prévu le pain jaqué, comme ça, en rondelles, 4 graines. Je connais pas d'ailleurs celui-là, donc ça va être très très bien. J'en avais acheté en réserve, mais là, c'est cool d'en avoir un que je n'ai pas du tout acheté avec les graines comme ça pour mettre du houmous ou des choses sans saumon parce que je n'ai pas le droit au saumon, sans foie gras. Enfin bref, je trouverai bien, sinon j'attendrai d'avoir accouché pour... Non, ça sera trop, ça sera périmé après. Je pourrais pas les utiliser après. Donc je trouverai bien des choses à mettre dessus pour les fêtes de Noël. Donc trop ravie de cette box encore. Mon mari me disait elle a l'air légère et tout, mais légère mais bien remplie. Hein. Je suis contente, comme d'habitude je vous mets ici le prix total de la box et je vous mets les liens en barre d'infos, ça vous intéresse, je crois que j'ai toujours moins 5 euros pour ceux qui veulent craquer pour cette box pour l'année 2019. Donc voilà pour mes petits trucs du jour, et puis ben, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure ou demain. J'ai récupéré mes crapauds parce que oui, ce matin j'ai eu la chance d'avoir une matinée sans enfant. Et me réveiller sans enfant, ça m'a fait bizarre parce qu'il me manquait, mais alors ça m'a fait du bien. Parce que j'ai pu me réveiller tranquillement. Donc c'est rare, j'ai pu dormir jusqu'à 10h, c'est rare, donc je suis contente. Je vous montrerai, oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer mes petits cadeaux de chez Yves Rocher. Bon, je vous ferai ça demain sinon. J'essaierai d'y penser et puis ben, on se retrouve tout à l'heure ou demain. Coucou, on est jeudi et vous entendez mon crapaud yoki qui chouinasse. Je vais aller le chercher, on va descendre. Attends Nanou, j'arrive. Aujourd'hui, bah, rien de prévu de spécial à part voir ma copine cet après-midi qui va venir ici. Donc ça va être cool. Et ce soir, mon fils a un petit spectacle à la halte garderie à aller voir. Donc journée plutôt tranquillou. Coucou, on est vendredi aujourd'hui. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Là, je vais vous préparer une vidéo où je vais scanner tout ça et trier un peu mes soins. Oui, oui. Je vous mettrai si elle est en ligne ici, sinon elle va pas tarder à être en ligne très prochainement. J'ai préparé les cadeaux, parce qu'aujourd'hui, vendredi, dernier jour d'école, les cadeaux pour la Tsem et la maîtresse. J'ai reçu une crème pour les mains que j'ai prise pour mon mari surtout, qui est la crème, vous savez, Neutrogena, comme ça, qui est assez mythique. Formule norvégienne, crème hydratante concentrée. Elle est très très bien réputée, c'est vraiment, il paraît-il, un basique pour hydrater vraiment fort la peau. Mais paraît-il, alors moi je vais pas la tester, mon mari la testera. Bon, ça sent Neutrogena, quoi, ça sent bon, c'est doux, mais paraît-il que ça reste un peu gras, quoi. Donc c'est peut-être plus à utiliser la nuit, ou voilà. Mais voilà, j'ai hâte de lui donner, donc ça c'est un petit plus pour lui. Aujourd'hui, j'ai le spectacle de ma fille, je suis en pétard aujourd'hui. J'ai le spectacle de ma fille à 15h30, donc là j'ai mis mon crapouillot déjà au dodo, puisque
Bah parce que je voudrais arriver pas trop tard au spectacle et être là pour la filmer. Je vais charger aussi ma caméra pour pouvoir la filmer puisque mon mari ne peut pas être là. Et est-ce que j'aurai le temps de faire une manicure? J'ai reçu des petits vernis de chez Maybelline, si je ne me trompe pas. Et je voudrais me faire une manicure et vous montrer ça sur Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous montrerai le détail des vernis, des 4 vernis que j'ai reçus sur Instastory aussi. J'aime beaucoup partager des choses là-bas. D'ailleurs, il faut que j'ouvre mon calendrier de l'avant. Oui, c'est tout perturbé dans ma tête, c'est tout comme ça. C'est toujours comme ça en ce moment. Là, je suis en vacances officiellement, donc depuis mardi. Ce soir, ma fille sera en vacances, donc on sera tous en vacances, sauf mon mari. Donc je vais pouvoir profiter de mes enfants, donc c'est le top top top. Là ce matin j'ai été acheter les derniers cadeaux de Noël pour mon mari. J'ai réussi à trouver des idées, des fois c'est pas facile. Hein. Donc bon, je les dis pas là au cas où il regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Et puis de toute façon je pense que je vous retrouverai demain où ça va être shopping aussi pour acheter pour le repas Noël, où on fait le repas Noël ici à la maison que nous quatre. Donc en famille, voilà, parce que dans la famille de Sophie ils ne fêtent pas spécialement Noël. Et dans ma famille si, mais là ils sont pas là, ils habitent trop loin, donc ils ne pourront pas être là. Donc ce que nous code, c'est qu'on est amoureux, un truc bien en famille, donc voilà. Bon allez, je vais m'empresser de vous faire ma vidéo tri. J'ai peur, vraiment, parce que je vais essayer de un peu trier et garder un peu les produits entre guillemets clean. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Je ne sais pas. Réponse dans ma vidéo que je vous mettrai quelque part ici et vous qui arrivera prochainement. Ce petit vlog. Eh bien, mais ça fait 2 jours que je vous ai pas vlogué, puisque aujourd'hui on est dimanche soir, oui. 2 ou 3 jours même que j'ai pas vlogué. J'ai pas trop l'envie, la motivation, tout ça. Aujourd'hui je suis un petit peu mieux, donc ben, je me permets de vlogger. J'ai monté un étage, je suis déjà essoufflée. Ce soir on a été au marché de Noël de Lille, sur la Grand Place et tout, donc je vous mettrai des petites vidéos juste après. Et après je vous montrerai, vu qu'on est en mode schnorr, je vous montrerai ce que j'ai cuisiné. Donc ce soir j'ai décidé de me lancer dans la tarte au maroilles. En fait j'avais acheté un maroilles pour ma mère la semaine dernière quand elle était là et elle n'a pas tout mangé, donc j'ai décidé de me lancer dans la tarte au maroilles. Bon, c'est pas exactement la même recette que j'ai suivie, hein. Ça c'est un petit livre qu'on m'avait offert il y a quelques années maintenant, avant même que j'arrive dans le schnorr, qui s'appelle la cuisine ch'ti. Donc il y a pas mal de recettes sympas. Et donc là avec les loulous, hein, Kayla, c'est toi qui as cuisiné aussi, t'as fait une tarte au fromage, au maroilles. C'est pas rigolo. Je vous montrerai quand elle sera finie. Bon, elle est pas si mal cette tarte. Elle m'a l'air plutôt pas mal. Et puis accompagnée, une petite salade, avocat et feta. Coucou, on se retrouve. Mais du coup, on est lundi. Ce vlog va se terminer pour le jour de Noël, donc demain matin, je pense. Donc on est lundi. Ce matin, petit sablé de Noël avec la recette de la maîtresse de ma fille. Moi, je l'ai fait avec mes élèves. Mais là j'ai voulu tester la recette de la maîtresse de ma fille, donc ma foi ils sont pas trop mal. Donc ça c'est les restes, hein, à nettoyer. La recette de ma fille, donc de sa maîtresse, qui est pas mal, qui ressemble un peu à la mienne, hein, quand même. Et nos petits sablés qui vont partir au four 10 minutes. Les gâteaux sont finis, sont mis dans la petite boîte et on en a décoré quelques-uns là. Pas beaucoup, hein, c'était pas facile pour Kayla de les décorer, mais voilà, on attend 4 heures maintenant pour déguster tout ça. Ah, c'est une boîte avec plein de...
retrouve donc sans make-up parce que pour ce 25 décembre, j'ai profité de mes enfants aujourd'hui. Je sais pas si vous aurez vu les petites images avant, mais voilà. Je profitais d'eux, ils ont ouvert tous leurs cadeaux, ils sont ravis. On a été aujourd'hui aussi faire un petit tour à la grande roue sur la grande place de Lille parce que on avait promis à ma fille, donc on l'a fait aujourd'hui. Il faisait 4 degrés, donc il caillait quand même. Mais il y avait un grand soleil, donc on a quand même bien profité. Je vais vous montrer juste rapidement les 3 petits cadeaux que j'ai eus. Mon chéri a été adorable. Lui, il a eu des pulls, etc. ici et... un peigne à barbe. Monsieur voulait un peigne à barbe. Il m'a offert un jonc. Mais bien sûr, je viens de le laisser à l'étage. Donc je l'ai oublié, mais un joli jonc de chez Histoire d'Or. Donc j'ai la boîte, mais le jonc est là-haut. Tout à fait logique. Un très très beau jonc. J'essaierai de façon de vous mettre une photo sur Instagram. Et il m'a offert donc de chez Sephora un vernis. Alors le pauvre, il s'est pas aventuré chez Dior parce qu'il sait que j'en ai beaucoup 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 de chez Dior. Il a voulu changer, il m'a pris un vernis Chanel, le fameux rouge noir, le numéro 18, c'est un rouge noir, hein, une sorte de bordeaux un peu violine, il est très beau. Il m'a dit qu'il avait craqué dessus, c'est le genre de couleur qu'il aime bien voir sur moi, donc vous le verrez sûrement très prochainement manicure sur Instagram aussi. Et il m'a pris des petits DVD et des Blu-ray. Alors dans ces DVD, il y a quand même, enfin dans les Blu-ray, il y a un Blu-ray que j'ai déjà, donc il m'a pris ce DVD là, Demi-sœur, qu'on a été voir au cinéma ensemble justement. Il m'a pris la petite famille qu'on avait été voir aussi au cinéma et que j'avais trop trouvé très sympa. Il m'a dit c'est clin d'œil du Nord. Et il m'a pris Coco en Blu-ray, mais je l'ai offert à ma fille en DVD. Donc c'est pas grave, du coup je garde les deux, c'est pas grave parce que bon, c'est un cadeau et tout, ça me fait plaisir. Il sait que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai regardé quand je suis partie au Canada. Donc, voilà les petits clins d'œil du jour. Bon, j'espère que vous avez été vous gâtés à Noël. N'hésitez pas à me dire vos petits cadeaux de Noël. En commentaire, ça me ferait plaisir de me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. S'il a malheureusement été trop long, mais j'en suis désolée comme d'habitude. Mais je vous invite à le regarder en plusieurs fois ou même en accéléré, ça marche. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite. Salut !